Bonjour à tous, c'est Joseph du Crous Normandie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va apprendre des bases d'improvisation et la position 1 de la gamme pentatonique mineure. On commence par un peu de théorie. Une gamme, c'est quoi? C'est un ensemble de notes, chacune séparée par un certain intervalle. Et un intervalle, c'est la distance qu'il y a entre deux notes. Sur la guitare, entre chaque case, il y a un demi-ton. Donc, un intervalle d'un ton reviendrait à une distance de deux cases. Les gammes possèdent une note de référence, une tonique. Elle donne son nom à la gamme et c'est à partir d'elle qu'on compte les intervalles entre chacune des notes de la gamme. Voici les intervalles de la gamme pentatonique mineure de La. Mais ça pourrait aussi faire... ou encore... Et là, on vient de soulever un problème spécifique de la guitare, qu'on ne retrouve pas dans d'autres instruments comme le piano par exemple. C'est le problème des positions. Et aujourd'hui, on va voir la position 1 de la gamme pentatonique mineure de La, celle qui commence par la tonique, donc le La. Ok, toute cette théorie, c'est très bien. Mais à quoi ça sert? La gamme pentatonique mineure, on la retrouve partout. Dans le blues, la musique traditionnelle africaine, la musique japonaise, le rock, partout. Et c'est surtout une gamme très pratique pour improviser simplement. Un petit exercice pour sentir le pouvoir d'improvisation de cette gamme. Vous allez soit demander à un ami de jouer un La avec une autre guitare ou un piano, ou bien utiliser votre pouce pour jouer seulement sur la corde de La. Ensuite, avec vos autres doigts, vous pouvez vous amuser à vous balader sur la gamme pentatonique mineure qu'on vient de voir juste avant. Un autre exercice pour réussir à vous rentrer la position dans la tête, jouez les notes 1, 2, 3, puis 2, 3, 4, puis 3, 4, 5, et ainsi de suite. Exercice, jouez toutes les notes rouges de la position, puis toutes les notes jaunes, puis toutes les notes vertes, etc. Vous venez d'apprendre les rudiments de la gamme pentatonique mineure. Je sais que c'est des notions qui sont très complexes et difficiles à assimiler. C'est pour ça qu'on a organisé avec le Crous un cycle de cours de guitare en visioconférence auquel vous pouvez vous inscrire avec l'adresse qui est juste au-dessus de ma tête. A bientôt.